Bissou. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, t'as mon ambition coquet. T'as besoin de monter, t'as besoin de papa, le papa n'a besoin de t'en raser les cas. T'as manifesté, bah, qui de joie. Et t'as ma boko, et t'as ma boko. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Non, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer encore fortement pour la gloire de Jésus? Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Je suis vraiment dans la joie. Mon cœur est rempli de joie. Et je connais la responsabilité que j'ai aujourd'hui. Alléluia. De parler de la part de Dieu. Vous savez, des fois, on peut rencontrer des histoires. Des fois, on peut parler de tout, n'importe quoi, des fois. Mais quand c'est de parler de la part de l'Éternel, il y a toujours la chair de poule. Amen. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi, dis-le, que Dieu te bénisse. Non, on dirait la part de foi. Dis à quelqu'un d'autre, dis-le, que Dieu te bénisse. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen, amen. On va prendre rapidement nos Bibles dans les livres de Jérémie. Nous y sommes, nous tous. Jérémie, chapitre 2, des versets 1 à 2. Je lis la parole. Amen. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Non, acclamons pour la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Jérémie, je crois que on connaît l'histoire de Jérémie. Il y a des théologiens, des fois, qui ont les surnommés les prophètes qui a beaucoup plairé. Et l'épreuve, c'est ça, on a le livre des Lamentations de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète que Dieu a utilisé avant que Israël parte dans la captivité. C'était une époque un peu troublée, en fait. Parce que s'il y a une chose qui ne plaît pas à Dieu, quand ses enfants, ils prennent un autre chemin. Il a dit, Jérémie, viens. J'aime toujours parler de la différence entre les prophètes et le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est comme les pasteurs aujourd'hui. Le sacrificateur, il a le rôle de prendre l'offrande et d'amener ça à Dieu. Mais le prophète, il est différent. Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu utilise. Des fois, le prophète, il est en train de dormir, Dieu, il les réveille pour les parler, pour les donner un message, pour transmettre au peuple. Et c'est pour cela, si on suit bien l'histoire, c'est difficile de voir quelqu'un, il était ami des prophètes. Parce que quand il marche selon, pas selon la parole de Dieu, Dieu, il va parler au prophète et le prophète va venir te parler. Prophètes, si on suit bien l'histoire, ce n'étaient pas vraiment des meilleurs amis des rois. Ils n'étaient pas vraiment des vrais potes des rois. Pourquoi? Des fois, les rois, ils faisaient les choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et Dieu, il envoyait le prophète. On connaît l'histoire de David. David, il a fait les choses qui appliquent son cœur. Mais Dieu, il a envoyé le prophète Nathan pour aller lui parler. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on lit ici? La Bible nous dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles. Il n'a pas dit de parler, mais il a dit de crier. Parce que parler, c'est un peu doucement. Mais crier, c'est de parler fort. Alléluia. Pourquoi Dieu, il demande au prophète de crier? Écoute ce qu'il a dit. Il a dit, crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Alléluia. Et je crois pour les gens qui ils ont une femme ou bien un mari à la maison, ils connaissent ça. Je me souviens des jours, des fois on arrive à la maison, on commence à parler, après tu attends. Et je trouve qu'on dirait tu m'aimes plus. Alléluia. Des fois tu demandes, mais pourquoi? Non, parce qu'avant tu m'amenais des fleurs, mais maintenant tu n'amènes plus des fleurs. Alléluia.
Donc c'est que des fois, le conjoint, ou bien le mari, ou bien la femme, il commence à dire, je sens qu'on dirait, tu es plus près de moi. Des fois, tu peux demander, mais comment ça se fait? On dort ensemble, on se réveille, on mange, on parle. Il a dit, non, je sens, on dirait que tu es un peu loin de moi. Je vais donner le thème aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des gens qui me t'aiment en Wézanine. Le premier amour. Alléluia. Il a dit, crie aux oreilles, il a dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. La jeune, c'est la force. La jeunesse, c'est la force. Alléluia. Qui connaît le coup de foudre ici? Qui a déjà eu le coup de foudre? Oh, mais non, il ne faut pas mentir, on est à l'église. Qui a déjà eu le coup de foudre? Personne. Moi déjà. Vous savez, quand quelqu'un a le coup de foudre, il voit plus l'air. Je me souviens des fois tu prends le téléphone, tu commences à parler. Elle s'endort même, mais toi tu continues. Allô? Alléluia. Mais vous savez, quand la femme ou bien le mari vient à la maison, là ça complique. Hein? Non, laisse-moi dormir, je suis fatigué. Alléluia. Des fois tu dis, laisse-moi dormir, je suis fatigué. Mais à l'époque, est-ce que je peux te voir au moins pour te faire un coucou? C'est que Dieu quelque part lui a dit, avant c'était bien, mais maintenant les choses ils ont changé. J'ai senti l'amour que vous avez vers moi. Écoute ce qu'il a dit. Il a dit, de ton affection quand tu étais fiancé. Alléluia. Vous savez, quand une femme il est fiancée de quelqu'un, il fait les choses correctement. Alléluia. Vous savez pourquoi il fait les choses correctement? Parce qu'il sait, si je loupe cela, il n'y a plus de mariage. C'est que quelque part, Dieu est en train de rappeler à Israël, vous faites des choses correctement. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Alléluia. C'est chaud aujourd'hui. Donc il a dit, je me souviens de ton amour. Quand tu étais fiancé, tu me faisais ça, tu faisais ceci. C'est qu'ici, Dieu il parle comme un mari à son épouse qui est Israël. Mais ici, il n'y a plus d'Israël. Aujourd'hui, Dieu il parle à EGCV. Vous savez, quand la sœur Adonis l'a dit, Dieu parle-moi. Vous savez, des fois, quand on parle de certains messages qui touchent tes problèmes, des fois, on est triste. Mais moi, j'ai dit, je préfère cela. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu il a vu ton problème. J'étais en train de partager avec un frère, je crois, c'est Papa Junior. Vous savez quoi? Des fois, il y a la vie. Quand tu vois que tu marches de la droitude, tu marches selon la parole de Dieu, et tu as des problèmes, t'inquiète pas. C'est parce qu'il y a une promotion qui arrive. Mais quand tu marches pas bien, tu marches pas selon la parole de Dieu, et tu vois qu'il y a des problèmes, c'est parce que Dieu veut te mettre dans les droits chemins. Alléluia. Israël, il faisait des choses qui n'étaient pas bien. Et Dieu a commencé à parler. Et vous savez quoi? Il y a des certains versets, quand on les lit, des fois on a même honte de les parler. Dieu a obligé le prophète Jérémie de faire des certaines choses que vous n'imaginez même pas. Dieu a obligé le prophète Jérémie de faire des certaines choses que tu n'imagines même pas. Vous savez, un jour Dieu a parlé à Jérémie, il a dit, Jérémie, tu n'auras pas des enfants. Il a dit à Dieu, pourquoi? Il a dit, parce que tu ne vas pas te marier. Si tu ne te maries pas, tu ne pourras jamais avoir des enfants. Il a dit, pourquoi? Dieu l'a dit, parce que moi, je veux que ça soit comme ça dans ta vie. Dieu l'a dit, moi, je veux que tu sens des fois la douleur que moi, je sens. Vous savez, nous tous, quand on s'est convertis, je crois qu'au début, il y avait ce qu'on appelle le zèle. Il y avait une façon de prier. Tu avais la facilité de plier les genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. Et je vais aller plus loin. Des fois, on plairait quand on priait. Et vous savez quoi? Dans le temps, on plaire plus. On se met plus à genoux. Je vais vous dire une chose. Si tu sens que ton pantalon, ta chemise, je ne sais pas quoi, la robe est plus important que Dieu, alors laisse-les. Parce que vous savez quoi? Quand on va au travail, il n'y a personne qui t'oblige. Toi, tu sais dans ta tête, je dois changer les habits. Alors, s'il vous plaît, apportez au moins des habits qui vont te permettre de mettre encore à genoux devant la face de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on se confond. La rouille,
C'est pas parce qu'une matière il a la rouille que ça signifie qu'il est vieux. Non. Des fois, il est mal entretenu. Alléluia. Il y a des gens, à force de rester à l'église, ils sont tellement mal entretenus, ils commencent à avoir la rouille. Lui pense qu'il a grandi. C'est plairait. Quand c'est plairait, ça signifie être enfant. Je préfère plairait, mais être enfant de Dieu. Vous savez quoi? Il y avait Élie et il y avait Samuel. Samuel, c'était un sacrificateur. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que sa façon de conduire sa vie, il n'était pas selon la parole. Et comme on a dit l'autre jour dans une prédication, et quand quelqu'un il s'égare dans la parole de Dieu, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de songes, il n'y a plus de prophéties. Dieu a commencé à parler, il a dit, je me souviens de ton amour. Aujourd'hui, Jésus est en train de parler à quelqu'un. Il se souvient de toi quand tu as répandu ton cœur. Quand tu as dit, Jésus, mais voici, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et je vais poser une question, ne réponds pas. Est-ce que tu as la même dimension de prière? Est-ce que tu as la même façon de chercher Dieu que tu cherchais avant? Moi, je vais parler de moi. Je me souviens quand je me suis converti. En Angola, des fois, j'ai marché, j'ai regardé le mur. Parce que vous savez, nous tous, on bled. Des fois, dans les murs, tu trouves des pamphlets qui crient séminaire à l'église telle. J'ai cherché même l'église de vendredi. Parce que d'habitude, c'est mardi, jeudi, samedi, dimanche. Moi, j'ai commencé à chercher même lundi. Pourquoi? J'avais le zèle. Je voyais que non, le plus important pour moi, c'est de rester dans les pieds de Jésus. Mais le problème, c'est quoi? C'est le temps. Alléluia. Parce que les gens qui font la course, il y a le départ. Dans le départ, après, il y a la continuité du chemin. Après, il y a quoi? Il y a un trophée qui nous attend. Peut-être le départ, ce n'est pas bon. Essaie de te rattraper. Je vais dire une chose à l'église. Trouve les choses qui t'éloignent de Dieu et tue-les. Je vais répéter. Trouve les choses qui t'éloignent de Dieu et tue-les. Si tu ne le tues pas, c'est lui qui va t'amener en enfer. Alléluia. Si tu laisses que cette chose te domine, il va t'amener en enfer. L'enfer existe. Même si on parle plus de ça, je vous rassure que l'enfer existe et le paradis aussi il existe. C'est à toi de faire le choix. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire non, je suis beau. Je suis ça, ceci. Semaine dernière, j'ai perdu ma sœur, elle avait que 19 ans. Il avait la vie devant elle. Mais elle est morte. Des fois, on demande, il y a tellement de terroristes qui sont en train de mettre des bombes à gauche et à droite. Des fois, on dit, mais pourquoi ces gens ne crèvent pas? Alléluia. Dieu veut que tu te souviens de ton premier amour. Essaie de te rattraper parce qu'on est encore en vie. C'est ça que je parle avec mon ami. Chaque seconde appartient à l'Éternel. Je ne dis pas les jours, mais chaque seconde appartient à l'Éternel. Vous savez quoi? Il y avait un moment à Israël, à l'époque des prophètes Élie. Israël, il a commencé à danser la danse des tsunamites, frère Babi. Des fois, il était dedans, des fois, il était dehors. Dans la journée, des fois, il adorait Dieu. Les soirs, il adorait Baal. Dieu a dit, Jérémie, viens. Il a dit, va les parler. Et je suis fâché contre cela. Vous savez, avant que le prophète Élie demande la pluie, on va lire ça. Prenons un roi, s'il vous plaît. Un roi. 18. Un roi 18, 21. Il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est les Baals, allez près de lui. Alléluia. Dieu l'a dit, jusqu'à quand vous allez avoir cette mauvaise habitude? Vous savez, il y a une chose que j'aime bien Dieu. Il n'est pas autoritaire. Il ne t'oblige pas. Il te dit de choisir. Mais par contre, il te dit, si tu choisis ce chemin, le bout c'est ça. Et si tu prends ce chemin-là, le bout c'est là. Jusqu'à quand on va clocher? Vous savez quoi? Des fois, on ne comprend pas le mot grâce.
Nous tous, on a l'habitude de dire non, c'est le temps de la grâce. La grâce, il va s'arrêter un jour. Alléluia. Un jour, la porte, ça va se fermer. Un jour, la porte, il va se fermer. Et quand il va se fermer, il va plus s'ouvrir. Vous savez, des fois on dit que non, je suis jeune, je peux aller faire des mauvaises choses. Je peux incliner un petit peu dans le péché. Et le problème, ce n'est pas ça, s'incliner dans le péché. Le problème, c'est quoi? C'est la mort t'attrape dans le péché. Alléluia. Imagine-toi, tu es marié. Imagine-toi, tu as un engagement avec ta femme. Tu dis non, on dirait que ça ne va pas. Tu vas dehors, tu vas trahir ton mari ou bien tu vas trahir ta copine. Et la mort t'attrape. Alléluia. Je ne peux pas avoir honte de dire ça. Alléluia. C'est la mort t'attrape. Ne me dis pas que tu vas aller au paradis. Ne me dis pas que tu vas aller au paradis. Et aujourd'hui, des fois, on voit les gens qui prennent une arme et vont se suicider. Vous savez quoi? Ça fait tellement la peine. Parce que des fois, on pense que quand on se suicide, nos problèmes sont finis. Non, non, ce n'est pas fini. Parce que tu n'as tué que le corps. Mais ton âme, il va continuer. Et réussir à quelqu'un, ton âme, il va souffrir beaucoup plus. Vous savez quoi? Des fois, quand tu as la douleur, tu cherches à attraper quelque chose, non? Quand la douleur, tu cherches à attraper quelque chose, on dirait que tu vas partager la douleur avec cette chose. Mais là-bas, à l'enfer, ça ne sera pas comme ça. Tu n'as rien pour attraper. Tu n'as rien pour attraper. Nassimba, il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. J'aime bien le silence des fois. J'aime bien quand on est en silence. Alléluia. Est-ce qu'à quelqu'un... Est-ce que tu peux soulever ta main quand même? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Non, acclamons. Salomon, il a bien commencé. Salomon a bien commencé. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? On va imaginer l'homme est plus sage. J'essaie de voir, j'essaie d'analyser comment un homme sage comme Salomon, il peut aller adorer une statue. Alléluia. On va imaginer l'homme plus sage, il va se prosterner devant une statue. Vous savez pourquoi? Mauvaise compagnie. Alléluia. Amen. Mauvaise compagnie. Des fois je demande, pasteur, si Salomon il était sage. Des fois je demande. Vous savez pourquoi? Vous savez le principe de la sagesse? La crainte de l'Éternel, c'est l'eau. Vous comprenez? C'est le commencement. Est-ce que Salomon est craignait Dieu? Alléluia. Il a bien commencé. Commencer, ce n'est pas mauvais. Mais il faut continuer. Essaie d'entretenir ton âme. Essaie d'entretenir ton âme. Il n'y a rien de plus précieux. Jésus, déjà, il a donné sa vie pour nous. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelque chose de plus. Il n'y en a plus. Il n'y a rien de plus. Jésus, il est venu. Imaginez-vous, la parole a vêtu les chairs. Il s'est dépouillé. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Jésus s'est dépouillé. Imaginez-vous, il s'est fait l'homme. Et vous savez quoi? Quand on fait le péché, quand tu commets l'adultère, quand tu voles, tu fais le commérage, Jésus, il te regarde, mais est-ce que c'est lui-là? Il a compris ce que j'ai fait à la croix ou non? Alléluia. Des fois, il demande, est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait ou pas? Retournons dans le Jérémie. Il y a une partie qui m'a fait mal. Verset 5. Écoute ce que Dieu a dit. Quelle est l'iniquité que vos pères ont trouvée à moi? Dieu est en train de parler. Quelle est l'iniquité que vos pères ils ont trouvée à moi pour que vous éloigniez aujourd'hui? La question c'est ça.
Mais ma béni, nous avons les autres salauds qui ressemblent. Quel est le mal que Dieu t'a fait? Alléluia. Non, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu. Dieu est en train de se plaindre quelque part. Il a dit, mais quel est votre problème? Quel est le mal que j'ai fait? Parce que Dieu a dit, avant vous me suivez sans poser des questions. C'était quand? Quand ils ont ramené d'Égypte. Ils ont pris de l'Égypte, ils ont dit, on y va, ici c'est sèche. Mais je vous amener dans un pays où coule lait et miel. Mais quand ils sont arrivés où coule lait et miel, ils ont changé. Baba Loukili Nzambé, Bachandir Nzambé face. Regarde les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. Combien ils sont morts, combien ils sont malades. Mais Dieu te donne la vie. Et la vie que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Arrêtez d'aller à gauche, à droite. Je ne parle pas seulement de venir à l'église. Parce que nous tous, quand on vient à l'église, nous sommes calmes, des doux comme des agneaux. Ça donne envie de dire, oh, elle est tellement belle. Mais quand on sort d'ici, la vie continue, la vie chrétienne continue. Au travail, tu es encore chrétien. Alléluia. Dans l'école, on est chrétien. Partout où on va, on est encore chrétien. C'est comme on a dit l'autre jour, c'est les païens qui ont vu ça en nous. Ce n'est pas nous qu'on a dit on est des chrétiens, non. Les païens ont dit non. Ils sont comme leurs maîtres. Est-ce que les choses qu'ils ont vues à Pierre, on voit ça aussi à toi? Parce qu'on l'a vu, Pierre, on l'a dit non, toi aussi tu marches avec lui. Est-ce que quand on te voit, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia. Je ne parle pas des habits. Je ne parle pas de tes habits. Mais je parle de ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu commences à parler là, est-ce que déjà il dit Hosanna, gloire à Dieu? Ou bien il dit, on ferme les yeux. On va boucler nos oreilles. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont connu sale langage. Alléluia. Il y a une repentance, non? Est-ce que tu es vraiment repenti? Parce que des fois, on cherche à savoir qu'est-ce que je vais manger demain, à quoi je vais m'habiller demain. Mais tu n'entretiens pas ton âme. Rachète le temps car les jours ils sont mauvais. Alléluia. Imaginez-vous ce que Paul il a dit. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire ça toi aussi? Alléluia. Est-ce que moi je peux dire ça? Si je parle, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Christ qui parle à moi. Est-ce que je peux dire ça? Quand je marche, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est Christ qui marche avec moi. Parce que nous sommes des experts. Dieu donne-moi. J'ai fait ça. Mais toi, tu ne donnes pas à Dieu. Je ne parle pas de ton argent. Franchement, je ne parle pas de l'argent. Mais je parle de ton âme. Vous savez, des fois, quand on vient, vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu veux prier, entre dans ta chambre, il ferme la porte. Écoute, ce n'est pas le chambre qu'on parle, en fait. Il faut comprendre. Mais entre à ton intérieur. Parce que sinon, les gens qu'on appelle les Salomon au Congo, là, qui dort au salon, il va prier comment alors? Vous comprenez? Entre dans ton cœur et commence à analyser. C'est difficile que tu vois quelqu'un qui vient devant Dieu pour élever seulement le nom de Jésus. La première chose qu'on fait, Dieu, tu sais, j'ai des soucis tellement, j'arrive pas à comprendre cela. Dieu, explique-moi ça. Et si c'est la volonté de Dieu alors? Et si c'est la volonté de Dieu que tu passes où tu passes? Si cette coupe-là, tu dois le boire alors? Jésus l'a déterminé, non, tu dois boire ça. Et toi, tu veux t'éloigner. Alléluia. On va prendre le livre d'Éphésiens. Non, pardon, Apocalypse. Dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 2, verset 2
Je vais lire. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur. Que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu as point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ici, Jésus qui est en train de parler, il a dit, je connais tes œuvres. Pourquoi il a dit, je connais tes œuvres? Parce qu'avant, tu les faisais. Alléluia. Avant, tu les faisais. Je ne vais même pas poser les questions. Je crois qu'il y a des gens vraiment, avant de venir ici en Europe, ils ont fait des certains. Il y a des gens qui ont fait un vœu. Yes, si tu m'amènes là-bas. Parce que tu l'y faisais avant. Il y a des gens, des fois, qui se réveillent et te l'ont dit, Dieu, regarde-moi, je suis en train de balayer l'église. Il y a des gens qui disaient, non, Jésus, mais voici, je me donne entièrement à toi. Mais ta situation a changé. Alléluia. Non, vous savez, donc maintenant, il faut économiser le temps parce que ceci, parce que cela. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu ne nous donne pas de certaines choses parce qu'il ne veut pas nous perdre. Je vous dis la vérité. Il y a de certaines choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il a dit non, j'ai besoin de ton âme, j'ai besoin de te sauver. Si je te donne cela, au bon guin, c'est là. Je vous dis la vérité. Si je te donne cela, tu ne vas plus prier. Je me souviens quand on était en Angola, des fois on avait des cultes matinelles. On avait un frère, j'aimais bien cet frère. Vous savez, des fois quand vous priez, des fois on tape la main, pa, ça signifie quoi? Arrêtez, non? On tape la main, pa, lui il continue, oh Jésus. Tu sais, quand il continuait, ça te donnait envie de prier encore. Je vous dis la vérité. Et là tu continues. Vous tapez encore, pa, il n'arrêtait pas. Vous ne savez pas. Un jour, Dieu l'a fait grâce. Il a dit, je vais ouvrir une porte. Quand il a ouvert cette porte, la première des choses qu'il a fait, il venait plus à l'église. La deuxième chose qu'il a fait, il a quitté sa femme. Et la troisième chose qu'il a fait, il a commencé à bouder tout le monde. Tout le monde qui voyait, vous savez, dans votre église, franchement, les choses ne sont pas comme ça. J'ai dit, mais avant, c'était comme ça. Hein? Vous comprenez ça? Et des fois, on pose la question. Mais moi je dis, rien va me séparer de Christ. Ni la profondeur, ni les anges, ni la pauvreté. Rien va me séparer de Christ. Si je vois que la pauvreté tape ma porte, moi je mets encore mes genoux. Et si je vois que maladie vient, moi je me mets encore à genoux. Et j'ai pris une décision dans ma vie. J'ai dit, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, je vais continuer à les servir. Je vais me donner encore à fond. Mais je vais vraiment me donner à fond. Parce que les jours qui vont venir, je ne sais pas. Ne pensez pas que tout ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de pointer le doigt à quelqu'un. Non, c'est à vous et à moi aussi. Donc c'est comme ça en fait. On doit prendre une décision. Alléluia. On doit prendre une décision. Il y a des choses qui doivent changer sous toute ta vie. Ne regarde pas ce qui te manque. Ne regarde pas ce que tu n'as pas encore eu. Regarde ce que Jésus t'a déjà donné. Regarde déjà ce que Dieu t'a donné. Vous savez quoi? Quand Dieu a commencé la création, quand il a fait le premier jour, il était content du premier jour. Il a dit, le premier jour, il était quoi? Il était bon. Ce que Dieu t'a donné, dis-le non, ce que Dieu m'a donné, c'est bon. Mange la manne, ne t'inquiète pas. Tu es dans le désert, mange la manne. Et c'est ta soif, t'inquiète pas, il y a une pierre qui t'accompagne. Il va te donner de l'eau pour boire. Mais une chose, arrête de jouer avec la grâce. Arrête de jouer avec la grâce. Essaie d'analyser ta vie. Regarde où tu es tombé là. Regarde quelles sont les choses qui sont en train de t'éloigner.
Ne vous inquiétez pas. Demande à Dieu pour te briser. Dis Dieu, brise-moi. Quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est vraiment brisé dans la main de l'Éternel, c'est quelqu'un qui devient vraiment un enfant de Dieu. Parce que des fois, on dit, Dieu, j'ai besoin des miracles. Ce n'est pas mauvais. Je vous dis, le miracle, c'est rien. Alléluia. Miracle, c'est rien. Est-ce que vous ne croyez pas? Vous avez des doutes? Faire le miracle, c'est rien. Vous savez qu'est-ce que Jésus l'a dit? Ces jours-là, vous allez me dire, j'ai opéré des miracles à ton nom. Alléluia. Oh non, j'ai pensé que tu voulais acclamer même. Il a dit, j'ai opéré des miracles à ton nom. J'ai prophétisé à ton nom, mais je le dirai, loin de moi, je ne vous connais pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles, ça signifie que Dieu te connaît.